Salut à tous. Donc nous voilà. Alors où est-ce qu'on était? Je dis on, hein, je suis tout seul bien sûr. Oui, donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas enregistré. Voilà, pour vous donner une indication, je viens de mettre la troisième vidéo de FF6 en ligne. C'est pour vous prouver à quel point une différence de temps entre le moment où j'enregistre et le moment où j'upload. Hein. Donc vous inquiétez pas, de toute façon j'ai des vidéos en avance. Donc là, vu qu'il n'y avait plus rien à faire dans cette ville, on va se rendre. Voir l'empereur. Toujours aussi fun à jouer, hein, cette zère. Merde, c'est ça. Voilà. Deux attaques de zone suffisent. Hein. Suffisent. Donc je vais essayer quand même d'améliorer mes vidéos parce que moi personnellement je les trouve, malgré vos commentaires encourageants, je les trouve pas terrible parce que je fais pas assez de commentaires, je dis pas grand chose. Enfin si, je parle souvent, mais je parle pour dire des trucs que je fais et je trouve que c'est passé. Donc j'aimerais donner un petit plus à mes vidéos en racontant une carrière de temps en temps, enfin en restant poli, hein, bien sûr. Mais je trouve que je fais plus de remarques à la con dans... Ouais, parce que remarques à la con, c'est ça qui fait... un bon ressou, hein. Donc moi je raconte plus de remarques à la con dans les premières vidéos de mon ressou de Colenson. Merde, bon, ça c'est l'avantage au moins de se connaître, tout le monde, même quand on est comme ça. Donc ouais, cette position elle est sympa. Non, je parle pas du camastre. Ouais, cette position elle est sympa, mais le problème c'est que quand on lance un soin, ça lance que sur deux persos. Enfin, c'est pareil pour les... pour quand on se prend un sort, mais bon. Ça fait chier quand même. Donc là, alors, pourquoi va-t-on voir l'Empire, comme dit? Et ben, là, je vous rappelle, il y a ouais, les espères qui sont sortis, etc. Donc FK, il s'est fait un peu roxer la gueule par les espères. Ça lui apprendra à faire le con. Et donc... Oh, mais putain, je savais plus lancer ça. Donc ouais, Kefka allait trop loin, bon, l'Empereur, etc. Enfin, tout l'Empire est maintenant... On va faire un petit rendez-vous, on va dire, avec eux. Politique. Pour discuter du... voilà, de... des espères qu'on pétait un peu, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Pour ce faire... Vous voyez, tout est cramé, hein. Merde, c'est pas par là. Par où c'est... Il doit être au nord de la ville. Je suis con, là, c'est l'usine. Vous voyez, tout est cramé, hein. Par là, on va monter. Voilà. Putain, c'est un fanatique, lui. Et parce que plus tard, il y aura un donjon optionnel pour des fanatiques. Il ressemble à ça. Donc voilà, il y a des garnis, ils nous attaquent pas. Donc pour l'instant, c'est un peu la paix quand même. Hein. Oui, c'est assez inattendu, voire vous dites peut-être que c'est un piège. Et ben vous verrez. Je
Ah merde, je cherche un truc là dedans. Ouais, puis merde, j'en aurais pas besoin. Alors, donc voilà, ouais, vous voyez ici d'en haut. Hein. Donc voilà, on va se faire une petite bouffe sympa. Hein. Moi personnellement, je serais tombé dans le piège si c'est un piège. Parce que je vous dis pas si c'est un piège ou non. Bah, si je vais vous le dire, c'est pas un piège. La stalle veut vraiment faire la paix. Donc, vous voyez qu'il y a 3 minutes. 3 minutes avant de bouffer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 minutes? Eh ben, on va battre des gardes afin de se faire des points. Vous verrez. Ah non, on doit pas tous les battre en fait. On doit tous leur parler. Il y en a certains qui veulent se battre. Pas tous, hein. Donc, faut parler à un max de personnes. Par exemple, là, il y en a un max. Donc, pas de temps de voir les coffres ou les carrés comme ça. Hein. Voilà, bon, il y en a, ils sont encore contre nous. Hein. Dans ce cas, on les calme. Ça dure pas longtemps en général. Hein. Enfin, mais ils nous font perdre du temps quand même. Voilà. Des coups de tronçonneuse arrange tout le temps les choses. C'est une tronçonneuse négociateuse. On va parler au gars qui se repose. Je vous dis, hein, faut parler à Max. Personne, en fait, les coffres, je sais pas si on pourra les récupérer plus tard, donc je vais le prendre quand même au cas où. Ça prend 5 secondes. Bon oui, il y a toujours qui sont pas d'accord. D'ailleurs, vaut mieux faire des attaques normales plutôt que de préparer des trucs à la con. Hein. Donc on frappe, on voit d'ailleurs, j'ai failli le con. Hop. Voilà. Donc on peut obtenir des points, vous verrez à quoi servent les points, on a une récompense après en fait après le dîner selon le nombre de points. Donc les points, il y a ça. Et aussi vous verrez des questions à répondre par le banquier après. Il faut vraiment parler. Il est en taux là. À tout le monde. Donc vaut mieux parler à des personnes qui se combattent pas, hein. Enfin qui se battent pas. Bon, je dis ça et je m'en prends une. Bon, pourquoi je fais ça? Mais je voulais faire attaquer quelqu'un. Mais c'est putain d'aléatoire les dégâts de cette terre. Des fois ça fait des super dégâts, des fois ça fait de la merde. Enfin, mais dans tous les cas, c'est la tronçonneuse qui arrange tout. Bon, ça on s'en fout. Bon, je sais pas exactement combien de personnes il faut parler, hein. Mais il faut essayer de toutes leur parler en tout cas. Donc pas de perte de temps inutile. Parle à tout le monde. Donc oui, mais ça marche, c'est pas seulement les soldats. Il l'a utilisé sur le truc de Sian, je vous rappelle, le château. Château de Doma. Qui n'est pas une marque de sandwich. Bon, ok, je suis dans marque à la con encore. Voilà Kafka. Bon là je perds mon temps comme un con. De toute façon je crois que je vais parler à quasiment tout le monde. Bon, il m'a gâché le temps restant mais je crois que je vais parler à tout le monde quasiment. Donc. Voilà et on est automatiquement
On se retrouve au banquet. Il faut pas faire les cons sur les réponses, je les connais à peu près par cœur. Je lui ai dit que s'il n'était pas très important, bon, il n'est pas important pour l'histoire principale, mais on va le revoir même après. Alors, là, faut pas faire l'égoïste, faut pas se gourer de réponses. Alors, je vais pas dire à l'Empire, parce que ce sera pour eux et là, pour nous. Donc, à tout le monde, voilà. Je porte un toast à tout le monde. Donc voilà, c'est que de réponses logiques, quasiment. Je vais laisser en prison, faut tout le temps faire le choix juste. Ni trop méchant, ni trop gentil. Ça donne plus de points. Faut poser une question nous-mêmes, hein. Jamais deux fois la même, parce qu'on peut en poser deux après, enfin une deuxième. Encore une question, faut faire. Donc faut pas en poser trop. Faut être modéré, hein, je vous dis. Il faut pas faire les cons, hein, parce que sinon ils vont nous sauter dessus. Voilà. S'en rappeler. Il faut toujours accepter. Donc faut accepter tout ce qu'il dit, etc. Donc c'est quasiment fini. Contre les gardes avec la musique qui reste. Et voilà, donc Chocobo ça fait mal mais ça marche pas contre les ennemis volants, c'est l'inconvénient. On obtient deux magicites, c'est assez sympa. Bon voilà, après c'est bon. Hein. Je crois que je vais perdre ça va combattre les crânes d'un coup. Donc on peut reparler, tiens. Donc là vous pouvez en profiter pour aller chercher les coffres, quoique je crois qu'on puisse pas sortir. Donc après on hop, on s'en met à notre place. Et on répond derrière Caston. Général Léo, alors c'est franchement mon perso préféré. C'est même pas un perso, mais vous verrez pourquoi. Il est hyper droit et tout ça, mais il est super sympa. Celui que je vous rappelle, qui était là juste avant que Kafka empoisonne la rivière. Voilà, et si on a dans notre équipe quelqu'un qui était là, voilà, il le voit. C'est-à-dire Shadow, lui, ou... Ou Go, non, Go on l'avait pas encore. Non, ouais, Lucian, ouais. Vous allez voir, il est super sympa, lui, ouais. Sans déconner. Hein. On sait jamais si c'est un piège, donc... Voilà.
shortcut, hein, donc tu pourras aller plus vite. Donc là, on va sortir. Et on va obtenir une récompense, si je me trompe pas. Alors, oui. Figure au sud, donc voilà. Donc ça, on s'en fout, de toute façon. Ça, par contre, je vous rappelle, la porte était scellée, maintenant on l'a. Les deux autres, je crois qu'ils le font de toute façon. Tintinabar, voilà. Alors ça, c'est un objet vraiment très sympa. Et en plus, on peut le transformer en un objet encore plus sympa. Donc on voit aller à Albrook avec le général Léo et pour aller convaincre les espères. Donc le Tintinabar qu'on vient d'obtenir, je vais vous montrer ce que c'est. Donc le voilà. Quand on marche sur la carte, toute l'équipe récupère des PV. C'est pas génial ça? Enfin, je sais pas si c'est toute l'équipe en fait. Enfin, on récupère des PV. Et plus tard dans le jeu, on pourra aller au Colisée. Donc Colisée, ça sert à parier un objet pour le transformer en un autre si on gagne le combat. Et on pourra le transformer en 9 expériences. Donc c'est un 9 qu'on met en relique et qui double l'expérience reçue par le personnage qui le porte. Donc c'est vraiment... vraiment indispensable d'obtenir ça pour pouvoir le transformer en œuf de l'expérience après. Donc je vais essayer de traduire en français parce qu'en vrai c'est XP Egg. Bon. Voilà. Donc juste à aller à Albrook. Ah, c'est vrai que maintenant il y a eux. Hein. Hop. Ils vont pas me poser de problème pour autant. Donc comme ça on verra si. Si c'est sur plusieurs personnes que ça régénère. Qu'est-ce qu'il faut? Il est pas équipé ou quoi? Alors, ok, je vois qu'il est. Ouais, c'est bien ce que je veux dire. Alors, ouais. Tintinabar, alors. 619, ouais, bah du coup, elle a pas perdu de vie. Voilà, vous voyez, 119, non, 554 points de vie. Vous allez voir après. On a tous nos points de vie. Voilà, juste en marchant. Donc, je sais pas si ça le fait sur toute l'équipe. Je pense que oui, mais bon. Donc là, je m'enfuis. Et nous voilà à Albrook. Donc je vais vous laisser là. Et vous verrez la suite, comme d'habitude, à la prochaine vidéo. Allez, ciao !